Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, on se retrouve avec Sly, vous savez le fameux Sly qui a dégoûté tout le monde, là, avec en une step-up il a eu tout le monde, tous les gars de la bannière, plus des trucs en plus, enfin bref, il a totalement niqué le game, broken le game, du coup il m'a proposé de refaire parce que comme ça, bah, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui voulaient savoir, est-ce que la luck continue même sur des comptes chatteux comme le sien? Voilà, on verra bien, donc je suis encore salé, hein. J'ai fait mes invocations juste avant, enfin il y a 2 heures, j'ai dû me remettre un petit peu en question, en mode, oh, Luca, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi t'as acheté des orbes, t'aurais pas dû, etc. Bref, c'est le jeu, hein. Quand tu joues à ce genre de jeu, c'est le jeu, ma foi. Des fois t'as de la luck, des fois pas. Voilà. Mais après, comme je l'ai dit, si t'as beaucoup de chance sur un des step-up, c'est normal que t'en aies un peu moins après, ou vice-versa, si t'en as pas beaucoup à la première step-up, t'en as forcément plus dans la deuxième, c'est pas possible d'avoir deux fois pas de la luck. Quand vous mettez deux fois 1500 minimum, voilà. Bref, alors, donc lui, il avait eu tout le monde, hein. Il avait eu, alors il continue un petit peu à faire le fou. Alors attends, parce que lui du coup il spam, mais comme un ouf, les 5 étoiles, attends parce que du coup je comprends pas comment il a fait ça, il a, ouais en fait il entraîne ses trucs, très bien, t'as pas changé hein, depuis la dernière fois, bref, il m'a dit qu'il veut Kenpachi, et évidemment Tensa, voilà, après il m'a dit évidemment qu'il aura tout ce qu'il faut, mais... Écoutez, on va voir s'il est aussi confiant que ça. Je lui ai dit, attention mec, j'ai pas eu de chance. Il m'a dit, Balek cousin, j'ai confiance en toi, c'est pas de souci. Franchement, si j'étais ça avec lui, bah je suis content pour lui, mais je serais deg, tu vois. Enfin, si j'arrive à avoir un pool de ouf. Bref, on y va, on lance les trucs. De toute manière, c'est pas mon compte, donc qu'il ait quelque chose ou pas, ça changera rien à mon compte à moi. Donc, hop, il a rien sur la première, ça c'est normal. Enfin, c'est normal. J'en ai vu rarement avoir des trucs, mais quand ils ont des trucs, c'est des trucs de fou. Donc, on verra si j'ai de la chance peut-être d'en avoir. Parce que c'est vrai que pendant 7 jours, je pourrais faire la gratuite. On verra si peut-être j'ai un peu de la chance. Alors, on lance. Alors, s'il a la chance, hein, mais moi, je suis pas du tout serein pour lui. Hein. Je suis pas du tout serein, mais bon. Voilà, jaune, hein, comme je l'ai dit. Hein. J'ai annoncé que j'étais pas serein. Là, il est new. Il n'y avait pas celui-là. Très bien. Il m'a dit Blue Patchy. Si possible, hein. il m'a fait une commande. Blue Patchy et tout ça. Bon, écoute. Déjà, je vais essayer d'avoir une 5 étoiles. Pour l'instant... Après, je sais pas si j'avais eu ça au début. Je crois que j'avais eu ça au début, quoique non. Je crois que c'était parti à partir du palier 3. C'est quand ça partira en couille, il a eu tout. De toute façon, j'ai foi quand même en... Voilà, 5 étoiles, ça arrive déjà. Alors, qu'est-ce qui nous sort? Ah, c'est très bas. C'est Rukia. Attendez, par contre, je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de son du jeu. Attendez, on va sauter. On va dire qu'il n'y a rien d'autre. Hein. Est-ce que j'ai bien fait? C'est bon. Je pense qu'il a baissé le volume. Attends. Bon, Rukia, je sais pas s'il l'a. Je crois qu'il l'avait, peut-être. Attends, réglage. Ah ouais, voilà, volume des voix, tout à moitié, les gars. C'est quoi ces conneries sinon? Voilà. Donc est-ce qu'il l'avait en fait? Juste pour vérifier. Par rareté, acquisition du coup. Hop. Et pourquoi je m'acquisition il met... Décroissant alors. Non il l'avait pas. Ok donc c'est cool pour lui. Et elle est pas mauvaise hein. S'il a pas Yoruichi, elle est pas mauvaise. Yoruichi je crois qu'elle est plus intéressante. Je crois que je sais pas. Yoruichi c'est mieux que Rukia. Rukia est quand même un peu gelée hein. De rien. Elle peut geler. Alors attention, on continue. Voilà, elle commence à dégoûter les gens. Là, est-ce que Tensa il sort? Ah, Rukia encore. Pour l'instant, un doublon Rukia. Hein. Je pense pas qu'il est très content. Écoutez, moi ça me fait sourire parce que ça veut dire que même quand t'as beaucoup de chance, tu peux en avoir pas du tout après. Mais c'est pas fini. On est que au 4e palier. Je crois. Hein. Là, il peut avoir un deuxième. Mais tu sais que je stresse pour lui parce que j'ai pas envie quand même qu'il ait rien du tout. Je préfère que moi, j'ai rien. Bon, après, je suis méchant avec moi-même parce que si j'avais vraiment pas beaucoup de cartes au début, que j'avais eu Blue Patch, Ikaku et tout, je serais content, tu vois. C'est juste que je les ai déjà, du coup, c'est pour ça que ça m'ennuie. Mais pour beaucoup, je pense que ce que j'ai eu, c'est pas mauvais. Mais bon, faut que vous sachiez, on va dire, situer la chose. Quand vous êtes comme moi, vous avez envie des portails, du portail, c'est tout. C'est tout ce que vous avez besoin. Parce que vous avez tout le reste. Donc ça sert à rien
d'avoir le reste. Parce que du coup, ça sert à rien de mettre les 2000 orbes sur le pro. En gros, le portail de Kenpachi, j'avais mis, je crois, 1400 orbes dessus. C'est comme si je les avais mis pour rien, parce que j'ai tout eu là. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas terrible, hein, mais bon. Deux fois. Enfin, on est au 5. C'est pas encore la gratuite, hein. On va dire que ça va, parce qu'il peut augmenter la Rukia à l'aspect. Donc, c'est pas dramatique. Mais c'est pas fameux. Fameux, pas fameux du tout. Donc là, je suis un peu désolé, mon petit gars. Mon petit Sly. Mais je t'ai dit, hein. Je t'ai dit que j'étais pas serein. Mais bon, il m'a dit, vas-y, t'inquiète pas, cousin. Je fais le et tout. Là c'est la gratuite. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir à du portail? Ah, c'est Orio. Là non plus, je pense pas qu'il est très content. Est-ce que c'est une nouvelle pour lui, par contre? Je sais pas s'il a fait ce portail. Attends, c'était quoi? C'était le portail d'Orio? C'était... Oryu, Ginjo et le Full Ring, non? C'était ça le portail. Ouais. Je sais pas s'il l'a fait à l'époque. Il me semble pas parce que je crois que je l'avais chopé Ginjo. Non, je sais plus. Je sais plus ce que je chope aux gens. Et tacté, et tacté! Mais j'ai remarqué quand même que beaucoup étaient salés hein, sur Twitter. Parce que bon, vous directement, première heure à 9h, j'avais déjà des messages. Bon, beaucoup étaient contents pour le Tensa et tout ça. Bon, moi j'étais plutôt sur le basto, mais bon. Et Tensa, on va dire, c'était pour la forme, tu vois ce que je veux dire? Bon, oui, je l'ai pas eu donc je m'en fous, mais. Mais beaucoup étaient aussi salés. Ils m'ont dit, ouais, j'ai eu 2, 3. Voilà, lui il a eu 3 pour l'instant, 3. C'était pas ouf ouf quoi. C'est pas ouf ouf, mais bon, moi je l'avais dit, hein. Je l'avais dit, essaye pas. Bon, il a eu aucun du portail pour l'instant, c'est quand même chaud. Allez, on y croit, un du portail pour faire plaisir quand même. Ça pique un peu, ça pique un petit peu. Ouh, ça pique. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Aïe, 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 aïe. Ça pique. Oh là 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 là. C'est pas fameux du tout. Alors là, mon gars... Mais il a bien fait, dans un sens de vous montrer. Et je pense que ça sera sur tous les comptes comme ça. À moins, on va dire sur les majorités des comptes. Si vous avez chaté sur la première step-up, vous n'allez pas chater sur la deuxième. Et ça, c'est une des... Wow. Un des... C'est pire que moi, là. Hein. Là, c'est franchement pire que moi, là. Autant moi, j'ai eu chaque fois des 5 étoiles doublants que j'avais déjà, mais au moins différentes, histoire de faire genre que c'est différent. Là, c'est sévère. 3 Rukia. Bon, au moins, il montre un aspect. Ah, c'est... Bon, je touche plus. C'est lui qui décidera ce qu'il veut faire de ses orbes, mais je pense qu'il va en claquer, là. Il va, je pense, en claquer parce qu'il n'a pas eu de Blue Pachy, ce qu'il voulait. Enfin, bref. Waouh. Alors là, c'est violent, mais d'un côté, ça sert d'exemple. Il en a eu 4. Je crois que c'est comme moi. J'en ai aussi 4. On va dire à la fin des 7 premiers paliers. Même, je crois que j'en ai eu 3. Hein. Mais, là, c'est pas château du tout. Et ça prouve que... T'as chaté au premier, tu te fais défoncer au deuxième. J'ai vu aussi, je crois, la capsule corp, il a chaté au premier. Premier step-up, il a eu tout comme moi. Et il a rien eu après, je crois. Encore pire que moi, je crois aussi. Waouh! Alors là, ça me fait mal au cœur pour lui, quoi. Ça me fait mal au cœur pour lui. Du coup, on se laisse là-dessus. Et je pense qu'on se retrouve pour une autre invocation. Il veut lâcher 3000 orbes. 3000 orbes, les gars. Donc, je pense que je vais continuer là-dessus. Donc à tout de suite, c'était... Voilà, donc on se retrouve avec un nouveau compte, comme je vous l'ai dit, parce que bon, le précédent, le pauvre, putain, le pauvre. Je lui envoie un message, on verra si on a la réponse en live, on va dire. Mais je lui ai envoyé, tu vas pleurer, je crois. On verra ce qu'il va répondre, je pense qu'il est en train de pleurer, là. Parce que c'est assez violent, donc je sais pas s'il lâchera le reste. Je pense qu'il va lâcher beaucoup d'orbes pour, on va dire, ce... Moi, si j'étais lui, j'en lâcherais encore, peut-être pas aujourd'hui, mais genre demain. J'en lâcherais au moins encore 1000, hein. Je prends encore 4 multi parce que là, 3 Rukia plus je sais plus quoi, c'était vraiment pas fameux. Ici on a un nouveau, donc FR Lucas, donc on l'a appelé Lucas.
qui m'a dit que en gros il avait 3000 euros à disposition. Parce que c'est un nouveau compte, on va voir si c'est vrai. On va. Et putain, ils trient tous leurs trucs, hein. Ok, ce qu'il vient d'avoir, c'est lui. Il a eu qui en 6 étoiles récemment? Il a choisi lui? Ou lui? Non, peut-être qu'il a choisi lui. Non, lui il a choisi. C'est bien. Putain, c'est bien. Ok, alors attends, on va juste les trier, on va dire, en termes de 5 étoiles, 6 étoiles, mais pas en termes d'acquisition, en termes de rareté, juste. Merde. Pour voir ce qu'il a. Yami, c'est pas ouf. Donc il m'a dit qu'il a pas grand chose, on va voir si c'est un peu vrai. Je sais pas, mais... C'est quoi? Ah oui, ça c'est mieux comme ça. Alors, il a du Neliel, enfoiré. Il a aussi Kin, putain c'est bien quand même. Toshiro, Kazeshini c'est bien, Okitake c'est bien, Soifon, la rouge elle est bien, c'est une boss killer. Tia elle est sympa, mais il y a une nouvelle qui va sortir, je vais vous en parler plus tard d'ailleurs. Ou je vous en ai déjà parlé, je sais pas comment je vais sortir les vidéos. Il a Ichigo, on va dire... Comment on dit, non harmonisé. Et là, l'harmonisé, hein, au passage. Donc, très très bien. Très très bien. Pour un nouveau compte, comme il dit. Non, c'est un nouveau compte. Ouais, on voit qu'il a rien du tout à voir ça. Très propre. Très propre. Et franchement, il m'a dit donc, tu peux poser 3000, mais après. Évidemment, il a fallu qu'il se connecte. Je vais envoyer un message. On va envoyer en live le message. Pour lui dire, tu te connectes pas. Je lui dis, te copa sur le jeu. Par contre. Et sur Facebook, parce que du coup il m'a donné son Facebook. Et sur Facebook. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Parce que bon, si il me fait ça pendant que tu as l'invocation. Hein. Il m'a dit donc tu peux mettre les 3000 si tu veux, mais bon, il m'a dit je te fais confiance. Si tu juges que c'est plus nécessaire de mettre plus, bah tu t'arrêtes. Alors moi, vu qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, ça va. Enfin de perso, ça va. Mais moi, à partir de 2000, je vais faire un compte rendu pour voir si c'est bien ou pas. Donc, ah, il a déjà fait la loterie multi, ok. Très bien. La loterie solo, pardon, gratuite. Donc c'est parti pour les 3000, peut-être. Bon, est-ce qu'on va avoir la chance de pouvoir voir un Tensa? Parce que franchement, ça m'a l'air assez rare. Bon, on a rien, ça commence très très bien. On va pas regarder, hein, ça sert à rien. De toute façon, vous les connaissez, les 4 étoiles. Franchement, s'il atteint ça, je pense que je m'arrête. Enfin, je m'arrête à la fin du palier s'il atteint ça. Franchement, putain, il y a... La longue chatte comme Sly et d'avoir 3 fois la même. Bon, j'ai vu un gars quand même sur Twitter, j'ai vu juste avant là. Il a eu 4 fois le Vastolordé. Genre, il a eu 5 étoiles et il a eu 4 fois le Vastolordé. Donc, c'est cool pour le Vastolordé. Mais d'un côté, c'est un peu relou quoi, parce que tu te dis. Bon, après, je pense que c'est pas un nouveau compte donc il s'en fout. Franchement, quand t'as pas de nouveau compte, vaut mieux avoir ceux du portail à plusieurs reprises. Avoir les autres en fait, parce que je les ai déjà. Mais du coup, moi j'ai peur en fait de. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder chaque fois les 5 étoiles en doublon que j'ai. Et quand je juge nécessaire ou alors on va dire intéressant de faire genre. C'est à dire, imaginons, j'ai Uryu là, tu vois. Imaginons, j'arrive à la voir encore 4 fois, tu vois. Bah, je juge que c'est intéressant de donner à bouffer à cet Uryu là. Les 4 autres, même celui que j'ai fait en 6 étoiles, pour qu'il puisse avoir, on va dire, 5 de spé. Parce qu'il a une spé, je crois, qui est honorable. Si tu la mets à 5, c'est juste insane. Et il y a moyen, du coup, de jouer autrement, etc. Un petit peu hybride, alors que c'était pas du tout attendu. Mais bon, normalement, t'es pas censé, on va dire, dropper les 5 étoiles 4-5 fois d'affilée, tu vois ce que je veux dire. Et vu qu'il y a tellement de portails qui vont sortir, tellement de... Enfin, cette histoire de filaire, finalement, ça augmente tes doublons. Et qui augmente du coup les spé. Ce qui est pas plus mal, hein. Dans Dokkan Battle c'est le même principe. Hein. Sauf que je crois que tu peux donner à bouffer peu importe qui, du moment que c'est le même nom. Tu peux augmenter l'aspect ou un truc comme ça. Après, je joue pas trop à Dokkan, je peux pas vous dire, mais. On va dire que c'est plus simple à monter l'aspect dans Dokkan, je crois. Je crois. Que dans ici, parce qu'il faut vraiment avoir la même carte. Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi je parle, parce qu'en fait il a rien. À part... Enfin, en fait il y a une sur deux là.
Une sur deux. Allez, vas-y, là tu l'as. Là tu l'as, tu mérites. Voilà, tu vois. Allez, éteins ça juste pour que je puisse le voir. Oh. Putain, elle l'a eu! Je le voulais! Putain! Le White Ichigo est trop stylé! Putain, elle est tellement stylée! Sa voix, elle me fait vibrer, j'adore White Ichigo! Puis il sort des putains de punchlines! Tellement stylé ce gars! C'est ce qui a fait, on va dire, évoluer Ichigo, tu vois. Finalement, le mal qu'il avait en lui, il a fait évoluer! Ça, c'est super cool! C'est pas comme, comme dans Naruto, Kyuubi est dans toi, puis bon, après, il l'apprivoise comme un petit chat. Non! Là, on parle pas d'un petit chat, là, on parle d'un autre gars, tu vois. Qui est dans lui, un espèce d'holo métamorphosé, qui est en fait lui-même, mais bon, vu qu'il a des pouvoirs de holo dans lui-même, bah, ils se sont, on va dire, transformés en lui-même, c'est pour ça que c'est un Ichigo blanc, tu vois ce que je veux dire. Et grâce à ça, il a pu évoluer, il a pu se combattre contre lui pour comprendre pourquoi, qui il était, pourquoi il veut faire ça, et pourquoi il veut plus de puissance, et pourquoi il doit accepter cet Ichigo qui n'est finalement pas si méchant. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça, ça fait qu'il est devenu harmonisé après la fin. Voilà, ça c'était le petit moment. Je vais traiter de musique triste et tout. Putain, ouais, Ichigo! Ouf. Par contre, c'est pas ouf sans tout le trait, hein, je trouve. Hein. Oh, il doit être dans la merde pour que ça soit intéressant. Enfin, il faut qu'il soit dans la merde pour qu'il soit intéressant. Critique, c'est combien? 20% de vie restante? Après ça, on va faire des tris. Bon, on va compter le White Ichigo, Ichigo direct. Encore? Putain, alors lui va se mettre bien, je pense, dans cette multi. Ah, c'est Byakuya! C'est Byakuya, je l'ai pas non plus, lui. Putain, il est bien en plus, hein. Franchement, il est bien, je crois que c'est le meilleur Byakuya. À l'heure actuelle. Oh putain, mais. Non, voilà, lui, il se met bien. Enfin, il se met bien dans le sens où. Il a un du portail au moins, pas n'importe qui. Il a des autres, des différentes qu'il a pas non plus. Non, il se met bien. Non, lui, je pense que je vais m'arrêter à 2000, je pense. Ça me sert à rien d'aller plus loin. Parce que je pense que d'ici 2000, peut-être que j'aurai encore, tu vois ce que je veux dire. Là, on a encore une 5 étoiles à 100% qui va pop. Si c'est un du portail, on va jusqu'à 2000. Maximum. Pour essayer d'avoir le troisième, tu vois ce que je veux dire. Et si on n'a pas un deuxième du portail, bah du coup, en fait... Dans tous les cas, j'ai intérêt à m'arrêter à 2000. Enfin, à 1000 restantes, si tu veux, ou à 2000 de dépenses. Parce que, avec ce qu'il a eu, il a forte chance qu'il ait un deuxième. Oh, il a deux Byakuya. C'est pas mauvais. Hein. Après, ce Byakuya, je sais pas s'il est fort en physique. On va voir. Juste voir. On va voir. Ouais, ah non, attaque puissante. Non, il est fort en spé, c'est un spé. Donc c'est plutôt cool. Putain, écoute, tu te mets bien. Alors, du coup, je vais faire le tri. Donc on se retrouve à tout à l'heure. C'est pas possible. Oh non. Du coup on sait pas ce qu'il a eu. Alors les gars, il a eu un bug. Il a eu un bug. Du coup je sais pas. Est-ce qu'elle est partie? Je crois pas qu'elle est partie. Il y a moyen qu'elle soit pas partie. Ah si, elle est partie. What the fuck. On va voir ce qu'il a eu du coup, parce qu'on sait pas ce qu'il a eu. Acquisition. Oh, il a re-eu un white. Oh, c'est propre. Du coup, tu pourras monter sa spé. Donc là, je l'ai déjà mis à plus 4. Comme ça, quand tu vas le mettre en 6 étoiles, tu donneras le white ici présent et tu monteras sa spé en plus de donner beaucoup d'XP, donc c'est cool. Eh bah dis donc, alors lui il se met bien. Bon, 2 Byakuya, 2 White, c'est pas non plus la folie, mais... Je trouve que ça va, ils sont... Ça va. C'est pas la fin du monde, quoi. C'est pas ouf, mais c'est pas la fin du monde. Du coup, on va faire le 7ème palier. Là, ça bug pas, heureusement. Il a encore une 5 étoiles, mon dieu, mais celui-là, il va me faire mal. Ikaku, il l'a pas, ça fait plaisir. On prend, hop, on prend, hop. Allez, un petit blue patché avec, et c'est bon. Non, pour l'instant c'est que positif, hein, toutes les invoques qu'il a fait, qu'on a pu faire pour lui. Oh mon dieu. Il a juste un du portail quand même. C'est dur d'en avoir plusieurs du portail, je sais qu'il y en a qui ont, hein. Il y en a même qui en ont plein, hein. Je pense dans les commentaires vous allez dire « Ouais, moi j'ai eu les trois, moi j'en ai eu deux, etc. » Je sais bien. Mais après si je vous dis qu'est-ce que vous avez eu aux précédentes multi.
Aux précédentes step up, à la précédente, au portail précédent, tu vois ce que je veux dire? Là, ils vont me dire, ouais, c'est vrai que j'ai pas eu grand chose. Voilà. Après, c'est vrai que si la malchance persiste, là, ça devient relou. Je conçois. Pour l'instant, moi, ça va, j'ai pas eu de. Chaque fois, c'est genre coup de chat, moins de chat, coup de chat, moins de chat, tu vois ce que je veux dire? C'est genre mitigé. Et un méga coup de chat, genre sur Full Ring, j'ai eu un méga coup de chat, et sur le Blue Patchy, un méga coup de chat, par exemple. Ça, c'est deux exemples que je pourrais donner. Ouais, je sais, je sais, je sais, je me plains encore, hein. Mais il faut se plaindre, ça fait plaisir. Il faut. Bon, alors, mon cher Lucas, tu te mets bien. Là, je considère que tu es bien. Après 7 paliers, t'as eu deux fois le White, deux fois le Byakuya, un Ikaku et un autre. Je sais même plus qui. Franchement, ça va. Donc, du coup, on va encore en faire. Parce que là, il a dépensé du coup 1300. On va encore en dépenser 3. Et après, on fera les comptes. Après ces 3, on fera les comptes. Et on considérera ce qu'il faudra considérer. Donc là, il a rien. C'est pas grave, ça donne un food. C'est quand même bien de food. Et j'espère par contre qu'il a pas 3 jaunes là, parce que ça me fera un peu chier pour lui. Hop. Hop. Franchement, s'il a. Je vais pas dépenser plus que ça. Plus que 2000. Ouais, non, non, non. Il a vraiment eu pas mal de choses. Est-ce qu'il a un deuxième? Ah, c'est Renji ça. Ça, j'ai eu récemment. C'est aussi bien et c'est la troisième plus forte orange, je crois, physique. Ce qui est pas dégueulasse. C'est-à-dire que la première, c'est Hiruka. La deuxième, c'est. Ichigo non harmonisé. Et troisième, c'est lui. Mais genre, il est assez fort, hein, franchement. Franchement, il a une des meilleures vertes physiques. Après le Kendo Pachi, je considère que le Kendo Pachi est meilleur qu'Ikaku grâce au Flurry. Le fait qu'il attaque deux fois pour un coup, tu sais. Ikaku, après, est méga fort. Hein. Ensuite, il a eu. Il lui faudrait soit Blue Pachi, soit un gars de la bannière pour vraiment que ça soit intéressant, là. Allez. Allez. Un petit dernier 5 étoiles. Un de la bannière. Ou alors. Un Blue Patchy, ou tu vois ce que je veux dire. Allez, il mérite. Mais je m'arrête sur 62 000 pour lui. Ça suffit amplement, je pense. Après, il fera ce qu'il veut de son côté. Tu vois? Moi, je lui laisse le choix de faire ce qu'il veut avec les 1000 qu'il reste. Je préfère. Que le forcer, on va dire, à utiliser. Donc ça fera 2000 en fait. Il avait pas 3100? Je sais pas. Ouais, parfait. Yes, c'est ce que je voulais, une 5 étoiles, c'est bien. Oh! Il a le Blue Patchy! Bon, alors lui, il se met bien. C'est bon, je m'arrête là, c'est bon. T'as la meilleure bleue du jeu, là, mon gars. C'est bon. Enfin, physique et tout. Enfin, physique, vous m'avez compris. Quand je dis la meilleure, c'est chaque fois, faut le dire dans son domaine. Parce qu'il y a en gros les persos physiques et les persos spé. Les hybrides, c'est un petit peu spécial, mais. Bah, si vous voulez, il y a trois types de persos. Les hybrides, les spé et les physiques. Blue Patchy est très très fort. Parce que même s'il est dans le physique, il a une spé qui est pas dégueulasse. C'est-à-dire que si jamais vous avez beaucoup de Blue Patchy, vous pouvez le jouer hybride. C'est une dinguerie le machin. Mais c'est vraiment la meilleure bleue pour moi. Pour moi, franchement, si je considère les bleus tous ensemble comme ça, je considère franchement que le Blue Patchy c'est la meilleure bleue. Franchement. De loin. Mais de loin. Et même une des top tiers. Pour moi, c'est une god tier. Blue Patchy. Mais vraiment tranquillement. Hein. Une god tier, mais easy, easy. À la limite, tu vois, le Kendo Pachi, ça va. C'est un moins. Moins. Il est un peu moins fort que le Blue Pachi. Mais Blue Pachi, il est. Bref, je m'arrête là, je pense que c'est parfait hein, pour lui. On va refaire une petite. On va revoir tout ça. Pour 2000 orbes. C'est ce que j'ai dépensé, je crois. Hein. Ouais, bah j'ai fait. Ouais, un peu plus que 2000 du coup, parce que. J'ai fait 1450. Ouais, 2000, j'ai fait 2150. Bon. C'est pas grammatique. J'ai eu alors là, Uryu. Deux White. Deux Byakuya. Ikaku, Renji et Kenpachi. Non, franchement, c'est très. C'est clean. C'est très clean. C'est super cool pour toi, Lucas, en tout cas. Tu me rediras des nouvelles dans les commentaires. N'hésite pas à dire, ouais, c'était moi le compte et tout ça. Bref. À la prochaine, c'était Pyrux, laisse un gros like pour ceux qui aiment un peu voir ben, d'autres comptes. Moi je trouve que c'est intéressant et je le répète parce que vous pouvez voir en fait ce que d'autres gens ont eu à part moi. Et après, ben, vous arrivez à faire un peu des moyennes entre, enfin, par rapport à ce que vous avez eu. Si vous n'avez rien eu, ben, vous pouvez voir que, genre par exemple, Sly il a rien eu, mais vraiment rien.
Mais il a eu beaucoup de choses dans la step 1. Moi, j'ai beaucoup dans la step 1. J'ai eu, on va dire que c'était décevant. C'était pas ouf, c'était décevant. C'était pas non plus la merde, mais c'était décevant. Ici, lui, par contre, je pense qu'il a pas fait la step. Pas, il a eu pas grand-chose dans la step 1. Tu regardes, il a eu Chigo. Et il a eu pas grand-chose. Hein. D'autres. Et finalement, là, il a eu beaucoup de choses. Donc, tu vois, je pense que la chance, elle tourne, les gars. Donc, il faut pas se morfondre, vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas de chance, ça reviendra. Et pour ceux qui ont de la chance et qui se la pètent, vous inquiétez pas, ça reviendra aussi la malchance. Hein, t'inquiète pas. Ciao, ciao à tous, c'était Pyrux, et à la prochaine pour cette vidéo. En tout cas, elle est un petit peu longue, je pense. Mais bon, au moins, vous avez beaucoup d'invocations. Et je pense que ça vous fait plaisir. Ciao, ciao à tous, et je vous le rappelle. J'ai dit 50 fois ciao avant de vous quitter. Mais si vous voulez que je vous invoque chez vous, vous pouvez me contacter maintenant uniquement via Twitter parce qu'il y a beaucoup trop de demandes. Et ce que je fais, c'est que je priorise ceux qui me font, enfin qui m'autorisent à faire beaucoup d'invocations avec beaucoup d'orbes. Lui, il a fait 2000 orbes. Le précédent, hein, Sly, avait fait toute la step-up. Donc, dans les prochains portails, si vous voulez mettre plus que 1000, vous avez déjà plus d'avantages à être dans la vidéo que ceux qui veulent en mettre que 500. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui est normal. Bref. Ciao, ciao à tous, c'était Perruque cette fois-ci. C'est la dernière fois, c'est sûr. Ciao, ciao.